Le livre. Souviens-toi de ce qu'a dit Lucas. Au sous-sol, le chemin est semé de roses. Des roses? Où je vais trouver des roses ici? Et salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur ce let's play de Plague Tale Innocence. Seulement en compagnie de Amicia. Je sais pas si vous vous rappelez, le dernier épisode, on était parti donc avec Mélie, qui nous avait aidé à ouvrir. On devait se rendre dans la bibliothèque pour trouver le Sanguinis Itinera. Un livre comme ça qui permettrait de sauver donc Hugo de la Macula. La Macula. Alors par contre, il faut aller où? Je sens que ça va être des trucs à fouiller, ça va être sympa. C'est fermé. Bah oui. Bah oui, c'est fermé. Ah bah oui. Il y a plein de loot. D'ailleurs, est-ce qu'on peut... Comment je fais? Oui, fabrication, amélioration. Ah, je peux faire le sac de mission. Ah oui, c'est vrai, je peux faire ça. Augmente l'effet de l'Odoris et Limosa. Mission d'unifère, distrait les ennemis alentour. Ah, il y a le sac de munitions. Tiens, on va faire ça. Maintenant, je peux le faire n'importe où. Pratique. Ça, ça va me simplifier la vie. Voilà, on a plus de munitions. Parce que là, on commence à avoir pas mal de trucs qu'on peut fabriquer. C'est immense. Mais où sont passés les livres? Ouais. Par contre, c'est vraiment immense. Oh, j'ai tout ça à explorer. Punaise, je vais m'amuser pour trouver les loot aussi. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc cette porte là, c'est la porte que j'ai voulu ouvrir qui est fermée évidemment. Ouais, on va s'éclater à trouver tous les loots. On va essayer de passer par là, tiens. Il faut que je trouve les roses apparemment. Le chemin est pavé de roses. Ah ah. Évidemment, j'en ai pas besoin. La porte là, elle va être fermée. Bingo. Donc voilà, on va passer par là. Bon, il y aura forcément des ennemis, je pense. Peut-être que des rats. Je sais pas si on aura des fleurs, oui, des roses. Ah, c'est nice. C'est ça, c'est ça. Nous avons trouvé. Ça fait combien de jours qu'on est là? J'ai arrêté de compter. À rester enfermé ici? Je fais même plus la différence entre le jour et la nuit. Aucun rat? Oui. C'est étrange. Exactement. Des jours qu'on est là. C'est ça. Et c'est le grand inquisiteur lui-même qui vient nous aider. On va faire de l'odoris. Hop, comme ça on récupère ça. Ils avaient l'air de dire que c'était une... quelque chose d'assez rare. Ah. Je vais essayer de pas le tuer. Bon, bah apparemment, on n'a pas le choix. Hein. Ah! Attendez, j'ai ça. Je vais l'endormir. Hey, non! Fuck you! Vous irez nulle part. Oh, c'est bon! Portel! Ah, pardon, j'ai cru que... J'en fais combien? J'en fais qu'un à la fois. Ah, par contre, je peux plus en faire. Ah. Ouais, mais j'aurais voulu l'utiliser normalement. Bon, passant de l'autre, il est parti, apparemment. Est-ce qu'on peut looter des trucs par ici? J'ai vu qu'il y avait un truc à l'étage. Là, là, il y a des trucs. Ok. Parfait, parfait. Ah, là, il y a un autre... Ah, bah oui. Ouais, là-bas. Ouais, je l'ai vu. C'est ça? Oui, c'est ça. J'étais pas sûr parce qu'en fait de ce côté il y a une barrière et là en fait elle y est pas. Je me rappelais plus si elle y était ou pas au début. Je me rappelais pas l'avoir vue mais dans le doute. Tu veux bien sauter s'il te plaît quand je fais espace, hein, et pas faire une esquive. En fait faut attendre que l'icône soit affichée intégralement, c'est un peu galère. Oui d'accord, en fait c'est ça que je voudrais clignoter. Il y a peut-être des trucs par là à aller chercher. Tac 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 tac, il y a un coffre, bah oui. Mais oui, mais oui. Ah, de l'alcool, parfait, de la ficelle. Est-ce qu'on peut fabriquer d'autres trucs? Amélioration? Bah non. Je vais regarder de temps en temps, voilà, je vais essayer de pas trop vous embêter avec ça. De temps en temps, j'essaierai de jeter un oeil. Et on continue. J'espère que l'épisode sera pas trop long. Vous avez assez de livres ou je vous en mets plus? Nous n'avons jamais assez de livres. Lorsqu'on sait lire. Bah, c'est de la lecture païenne tout ça.
Le sanguinis itinéra est un... Ah! Le savoir qu'il contient en tous et ce savoir pas tous nos alors continue de fouiller et concentre-toi sur les livres à la couverture. Le livre à la couverture rouge, ouais. Il le cherche aussi. Peut-être pas lire. Je dois faire vite. Pas stupide. Ça a bougé. Hey, vous n'avez rien à faire ici. Ouais, bah tu sais quoi? Moi, c'est putain de race. Ah, mais non! Je me suis trompé, je voulais faire. Je voulais l'endormir. Mais j'appuie sur F pour regarder. En fait, il va assez vite. Alors, qu'est-ce que tu fais par contre? Tu as l'air de vouloir. Ah, il y a un truc à aller chercher en plus. Vas-y, tu veux pas bouger? T'as bougé tout à l'heure, me dis pas que tu vas pas bouger maintenant. Punaise. Maintenant il bouge plus. Ah, si, là. Non, même pas. Mais j'hallucine. Non mais le jeu me troll. Au moins ces putains de races. Voilà les roses. Je suis sur la bonne voie. Ok, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. La prochaine fois qu'il me parle comme ça, je lui fais bouffer ses manuscrits. Celui avec la couverture rouge, c'est son préféré. Le bouquin. Encore une brillante idée d'alchimiste. Il y a quelque chose de louche chez ces gens, crois-moi. Ah, oh, voilà. Au bastion, il y a des endroits où j'ose plus aller. Les choses qu'ils font là-bas. Allez, je préfère pas en parler. Oh, il y a une lumière. Il y a des rats qui sont coincés. Allez. Ah, c'est bon, je sais ce qu'il faut faire. Voilà, ça a marché. Évidemment, faut passer par là. Une marguerite, t'es loin de ta maison, toi aussi, hein. Porte-moi chance. On fait ça. Oh, excellent, mais j'ai fait ça parce que je pensais que c'est par là qu'il fallait passer, mais c'est excellent. Mais désolé, j'ai pas trop parlé là, c'est vrai que j'étais un peu absent. Eh, mais en fait, faut que j'aille là-bas. Bah voilà. C'est dégueulasse. Ça va finir par recouvrir le monde. Il y a des chances, oui. Je pense. Ah, en fait, faut bien faire attention, vraiment, pas avoir le regard qui... Faut vraiment s'attarder sur les choses pour voir si ça cligne, pour voir si on les voit, en fait. Et pour voir s'il y a quelque chose. Pour voir si on les voit. Eh, mais c'est pas du tout obligatoire ce que j'ai fait en plus, mais je suis content. Forgeron. Il y a du travail qui t'attend. On doit vraiment être désespéré pour que Vitalis s'abaisse. Comment les rats font ça? Imagine un prisonnier. Ce qu'il faut pour percer une épaisseur pareille. J'imagine ce que ça peut donner sur ton bras. Ce trou sert plus. Ils l'ont bouché, tu vois pas? Ils savent très bien ce qu'ils font, ces petits bâtards. Passer par la fenêtre là-bas. Ça va être chaud, mais c'est pas impossible. Je reviens. Sois prudent. Hey, merde. Y a quelqu'un par ici. Est-ce que je peux m'enfuir? Alors vous étiez caché. Ah merde, il a un casque! Bon, mais non, j'aurais dû me laisser avoir. Mais j'aurais dû me laisser avoir parce qu'il y a lui derrière. Ouh. Aïe aïe aïe. Bon. En fait, je me suis fait repérer parce que j'ai voulu passer trop vite.
Imagine la force qu'il faut pour percer une épaisseur pareille. J'imagine ce que ça peut... Vous avez pas entendu un truc? Allons voir! Fais attention! Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Venez tous! On a des intrus par ici! Ah! Non, 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 les rats, les rats, les rats, les rats! Mais quel con! J'en ai marre, je fais n'importe quoi! Comment les rats font ça? Imagine la force qu'il faut pour percer une épaisseur pareille! J'imagine ce que ça peut donner sur ton bras! Ce trou sert plus. Ils l'ont bouché, tu vois pas? Ils savent très bien ce qu'ils... C'était quoi ce bruit? J'y vais. Pas d'imprudence! Et voilà, quand on réfléchit avant de faire les choses, ça va beaucoup mieux. Rien à voir par là. D'accord. Bon, ça c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Comme ça j'en ai assez. Tu te calmes. Et là. Elle là, elle là, elle là, peu de peu de. Il y a qu'un petit rat qui est passé. Alors on va en fabriquer d'autres. Parce que je sens que c'est la nouvelle mécanique à la mode dans le jeu là. C'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. J'ai pas vu les roses depuis un moment. J'espère que je m'éloigne pas trop. T'inquiète, Popiette, on va trouver. Bon, et j'ai toujours normalement mon truc pour faire dormir, ouais c'est ça. On va reprendre les pierres. Ah, il y a un établi. C'est-à-dire que potentiellement il y a des outils pas très loin. Bingo. On va en profiter, on va utiliser l'établi. Voilà. Je pense que ça mange pas de pain de l'utiliser. Alors, l'eau de riz c'est du luminosa, ok. On va prendre ça. Parce que j'ai l'impression que c'est le truc à utiliser en ce moment là. Ça m'a l'air bien mieux. Voilà, et ça, qu'est-ce qui me manque? Ah, il manque que les outils. Ah bah, intéressant. On pourra le faire après. Le prochain truc, on pourra faire ça. À moins que je débloque autre chose de plus intéressant. Chut, chut. Qu'est-ce qu'ils font? Oh. Le seigneur Nicolas continue la recherche. Dans ce cas, pour trouver le livre, nous allons devoir nous en remettre à un fils de forgeron. C'est toi qui as conçu cette porte avec ton père. À présent, tu vas l'ouvrir pour nous. Si on l'a construite, c'était justement pour qu'elle reste fermée à des ordures comme vous. Je suis le grand inquisiteur Vitalis Bénéfant. Tu n'imagines pas... T'as une sale gueule, hein. ...ce que j'ai dû endurer... M'en fous. Vois... ...ce que je m'inflige... Mort. Vaut... Vite... L'épisanguis... Je le sens pas, lui. Mon garçon. Pause de fin. Roderick. Je ne veux pas que Roderick succombe avant d'avoir ouvert cette porte. Ne commettez pas la même erreur qu'avec son père. Emmenez-le. Alors, j'ai dit boss de fin. Des fois, il faut se méfier. Dans tout ce qui est jeu, univers, fantasy, etc. C'est souvent les moins habiles. Je dois pas les perdre. Même quand le grand inquisiteur te parle de sauver ton prochain.
Ok, mais faut que je cours parce que faut pas que je les perde de vue. Roderick, on dirait qu'on a tous les deux des ennuis. Son sang s'affaiblit. Combien de temps l'épicenguis peut-elle contenir la morsure? Tant que sa foi le lui permet. Passage. Ils m'attendent, ils sont gentils. Alors c'est lui qui a fabriqué la porte. Ouais, et il va l'ouvrir. Avec le livre et le gamin de runes, Vitalis accomplira la conjuration. Alors nous serons sauvés du fléau. Ad ignem. Ad lucem. Ah. Oh, bien dit. Qu'est-ce qu'il... C'est quoi ça? Des intrus! À moi la garde! Merde. Bon, tuez-moi, on m'en parle plus. Non, non, non. Non. J'ai joué au con. Hein. Mais elle est complète. Carrément. Carrément. Je voulais aller voir, il y avait un truc qui me bloquait en fait. Oh, bien dit. Avance. Tu sais, mon ami et moi, avant, on s'occupait des hérétiques au bastion. On en a fait parler des braves. Putain, il y a un truc là-bas à aller chercher. C'était quoi le truc? Voilà, lui il me gêne. Oh! Mais avec quoi? Mais d'où il se balade avec ça lui? Ah! C'est bizarre. Je savais qu'il fallait que j'aille le chercher ça. Ça aussi. Ouais, on se débarrasse d'un garde sur deux, ça va. Oh, il y en aura bien assez, puis de toute façon ils veulent notre mort. Alors, tu reconnais? Ok. Les... Pas de mon père, t'as compris? Oh, vraiment? Tu veux jouer à ça? Bon, t'avances, oui. Oui, je sais pas pourquoi, je sens que ça va être un boss. Aussi. Y'a rien, là? Y'a vraiment rien? Dommage. Allez au travail. Ok, donc c'est là. Une armure lourde. Ah, il doit y avoir un moyen. T'es mignonne. Il est là le moyen. Nickel. Calme-toi, Juno. Mais merci. Je sais t'appeler Juno. Les autres gardes ont dû entendre. C'est quoi cette porte? Une commande spéciale. Le chef-d'œuvre de mon père. Et tu sais comment l'ouvrir? Parce que ça nous aiderait. Ça nous aiderait beaucoup même. Ça va prendre un peu de temps. Vas-y, je les retiens. J'hallucine. Mais merde. Fous de ma gueule. Ah. Pourquoi ça clique à côté? Je veux pas te presser, mais il continue d'arriver. Et on est comme en début d'incendie. J'y suis presque. Non. C'est pas pratique. Il y a visé et en fait ça vise sans viser. C'est. Une armure lourde. Oh, il doit y avoir un moyen. Ouais. Putain, on va pas se le refaire. Hein. Voilà. Mais t'énerve pas, j'ai dit Juno. Je sais pas qui t'es. Mais merci. On doit partir. Les autres gardes ont dû entendre. C'est quoi cette porte? Une commande spéciale. Le chef-d'œuvre de mon père. Et. Tu sais comment l'ouvrir? Parce que ça nous aiderait. Hey, vous là-bas! Garde! Ça nous aiderait beaucoup, même. Ça va prendre un peu de temps. Vas-y, je les retiens. Ouais, faut pas que je crame non plus. Je veux pas te presser, mais il continue d'arriver. Et on a comme un début d'incendie. J'y suis presque. Ah merde! Elle est beaucoup moins précise au bout d'un moment! Oh, ça va, j'ai ça! Allez, bouge, Juno, bouge! Ah non, comment ils ont dit qu'il s'appelait? Rodri? M'en fous. Ah, tu me fuites que toi! Réfléchis pas, cours! Un seul cul-de-sac et on est fichu! Ah, je fouille! Non, il faut qu'on les ralentisse.
oui, je suis passé par là, mais complètement au pif. Oh! Attends, j'explore. Pourquoi elle marche maintenant, cette conne? Elle est folle de marcher. Ça va suffire, tu crois? On n'a pas le choix. Roderick. Bon, on est dans les sous-sols. C'est déjà ça. Roderick, j'ai besoin du livre. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ce foutu livre? Il peut sauver mon petit frère. Je t'en prie. Je sais pas où il est. La seule chose que je sais, c'est qu'ils ont torturé mon père à mort pour le trouver. Et que je les buterai pour ça. Ils ont tué mes parents. Et tu as bien raison. À deux, on peut s'en sortir. D'accord. Et pour le livre? Ça, tu vas voir. C'est pas ça qui manque ici. Ouais. Je me doute, mais c'est bizarre d'enfermer des livres dans un sous-sol comme ça, caverneux. Waouh. Oh, l'énigme. Waouh. Une autre bibliothèque? Sous la bibliothèque? Hein? C'est des livres interdits. C'est pour ça qu'on a bâti la porte. Alors, le Sanguinis Itinera doit forcément être ici. Je sais juste qu'il a une couverture rouge. Regarde! Là-haut! Là-haut! Hey! Les roses. Ça doit être lui. Je dois monter. Ok, donc je peux accéder. Ouais. Donc ça sent l'énigme. Merde. Les étagères forment une coursive. T'as ton chemin jusqu'au livre. Facile? Aide-moi avec ça, tu veux? Je fais ça. Ah, faut que je mitraille? Oh, je sais plus. Tu m'aiderais avec ça? Si tu veux. Allez! Et maintenant? J'ai peut-être parlé trop vite. Il faut que je fasse contrepoids. Je reste ici. Dis-moi quel levier tu veux que j'active. D'accord. Celui-là. Roderick? D'accord. Donc ça, je sais pas... T'avais dit que tu ferais contrepoids. J'ai fait contrepoids. Ça a lâché. Bon. Va falloir être très prudent. Ouais. Et là, il fait quoi? Ouais, je peux rien faire, de toute façon. Arrête. Laisse tomber. Ça roule. Et celui-là? Roderick? De suite. Ah, c'est bon, je crois que j'ai compris. Vas-y, arrête. Attends. D'accord. Ouais, mais là, je vais pas pouvoir monter, là. Alors, que je comprenne, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, déjà, il y a un truc. Hop. Faut que je monte. Mais je ne sais pas où. Ah, oh là là, c'était juste là, sous mes yeux, quoi. Alors, par contre, ça, c'est chiant qu'on puisse pas tourner la caméra pour voir, parce que la caméra nous oblige à regarder, en fait, dans quel sens on veut aller. C'est un peu dommage, je trouve. Mais... voilà. Tu lâches pas toute seule? D'accord, c'est bizarre. J'ai pas dû le mettre correctement pour qu'elle le lâche pas. Parfait. D'accord. Je l'ai juste attrapé. Ah, le jeu, il va me faire briller. Hop, on va aller passer en fait, par là. Je m'appelle Amicia. Et toi, c'est Roderick, c'est ça? T'en sais des choses. Qui vous a engagé pour la porte? Des sortes de moines. Pas bavards. Mon père a fait les plans, c'était un maître. Moi, j'étais un simple apprenti. Des sortes de moines qui veillent sur le Sanguinis Itinera. Ça roule. Super. Tu peux lâcher. Lâche ! C'est bon, arrête. De suite. Ah merde, il y a des trucs là-bas en bas. Bon, pff, c'est que des trucs pas forcément utiles, je pense. Vas-y. Ouais. En fait, c'est... J'avais envie de me prendre la tête, en fait, sur cette énigme. Mais non, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, si je dis de faire ça... Tu bouges, Amicia. Ah ! C'est trop calme. Où sont les soldats? Où je bouge, mais au pire ça remonte. Ne reste pas là. Ah. Et oui, mais je fais comment pour passer, mon coco?
pas si je descends, faut que je refasse tout. Parce que là, attends. Je te dis de lâcher. Non, arrête-toi. Ça roule. Ouais, alors j'avais fait tomber l'autre truc là-bas. Ah, alors est-ce que peut-être en activant un certain levier... celui-là, qu'est-ce que ça fait ? Trop bas. Faudrait quelque chose dessous pour l'empêcher de descendre. Je vais trouver. Trop bas, faudrait quelque chose dessous pour l'empêcher de descendre. Ça veut dire quoi ça? On va aller faire un tour par là, tiens. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Oh, ah ben voilà. Vous ne pas y toucher. Eh ben on a des outils en plus, parfait. Qu'est-ce qu'il voulait dire par trop bas? Parce que là je peux rien glisser derrière, on est d'accord. Peut-être plutôt là-bas. Alors, tu sais quoi, tu vas lâcher. D'accord. Voilà, j'ai bien fait de le récupérer. Tu vas m'activer celui-là. Elle peut servir de cale. Bonne idée. Ouais, je m'en doutais. Mais je vois pas trop comment faire. Avance. Hé, ça fait pas mal. Tu veux que... Non. Mon frère, je lui dois ça. Ben oui. Tout le temps. Où j'ai pas été là pour lui. Ouais. Enfin, t'auras du mal à ramener le livre avec un bras en moins. Ça va, parce qu'elle c'est un bras, parce qu'elle pousse une caisse, quoi. Ah, je pourrais grimper, c'est ça le truc. En fait, je pourrais faire un effet escalator. Ok, maintenant, lâche. Ça, c'est pas de l'amour. Allez, il faut qu'on en finisse. Ok, ok, ok. Donc maintenant, je refais le chemin. Alors juste, il faut que je lui demande... Ouais. J'ai juste lui demandé de le faire, parce que le temps qu'il la baisse... Ça roule. J'ai le temps largement, moi, de faire le tour. Enfin, une partie du tour. Grimpe, Amicia, s'il te plaît, fais pas l'esquive. C'est chiant, parce qu'en fait, du moment que c'est pas affiché, voilà, elle fait une putain d'esquive, quoi. Hop, on va passer vite. Vas-y. Arrête. Tac, 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 tac. Donc là, normalement, je peux... Voilà, ok, ça fait cale. Et comme ça, je peux grimper. Perfect. J'y suis. J'y suis presque. Allez, ça fait trop longtemps qu'on est là. Pfiou ! On y est arrivé. J'arrive pas à y croire. Tu ferais mieux d'y croire et de revenir vite. Ils vont bientôt entrer. Bah, ils sont là. Oh, avec Vitaris. Je sais qui tu es, Amicia de Rune. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous avons observé ta famille pendant de nombreuses années, en attendant que la Macula se réveille dans le sang de ton frère. Ah, salopard! En un sens, je t'ai vu grandir. Non, on n'a aucune chance. Petit idiot. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ce livre? Te le fourrer dans le cul avec ton et le lire à travers, en regardant à travers ta bouche. Je peux sauver le monde, Amicia. Ça suffit. Viens vite, par là. Attrapez-les. Phase de fuite ou cinématique? Tu peux courir, Amicia, mais tu ne peux pas échapper à ton sang. Vous avez l'air de bien vous connaître. Pas du tout. Il a détruit ma vie. Je sais ce que ça fait. Pas du tout, je ne le connais pas et je n'ai pas envie de le connaître. Bah désolé, hein, là on est en phase de fuite, donc je fuis. Attends, j'explore. La foire là derrière. J'ai vraiment... Oui, plus que jamais. C'est-à-dire la foire... Ah bordel, il faut s'enfuir. Dis donc, on leur a fait de l'effet. Prudence, il n'y a pas question que je perde ce livre. C'est bon, on peut y aller. Choses ont pu régénérer à ce point. On est coincé. Il est de dos. Je peux me le faire. T'es sûr? Ouais, ça me fait plaisir. C'est quand tu veux. Voilà. C'est tout. Bon, ça suffit. J'y vais. Reste ici, je vais voir où ils en sont. Tiens-moi au courant. Il est seul. Mais il va me voir venir. Je peux faire diversion.
effectivement. C'est quoi ce vacarme? Occupe-toi de lui. Toi, t'es fini. Allez, plus vite que ça, feignasse. Bien joué. Il se relèvera pas. Tu peux me croire. C'est bien ça. Avec, suivant le personnage qui nous accompagne, on a. Oh. Il a mal aux yeux parfois. Ça pourrait l'aider. Eh mais je trouve énormément de trucs en plus. Je suis content. Ah, j'aime pas risquer. On a deux. Comme ça, on s'en prend un chacun. Ça te dit. Faut bien qu'il fasse celui avec le casque. D'accord. C'est juste une question de rythme. Quand tu veux. Il est pour toi. Tu vas me le payer. Parfait. Nice. Bon travail. J'aurais pas aimé me prendre ce coup-là. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que je manque? Allez, on va refaire ça. Moi, je peux en avoir qu'un en plus, c'est vrai. Oh. Mais bon, c'est tellement utile quand je veux. Dis-moi que ça mène dehors. Ça mène dehors. Par contre, le texte. De l'air. Ça sent. La cheminée. Oh. Merde. Non. Un incendie. C'est nous qui avons. Le grand inquisiteur est encore à l'intérieur? J'en sais rien, moi. Allez voir! Et donnez l'ordre d'évacuer! Donc toi, tu restes planté là. Profitons de ce bazar. Putain de rat! Il manquait plus que ça! Les rats, le bouclier, il est intouchable, Roderick. Attends, quand ils m'ont amené au bastion pour m'interroger, ouais. J'ai vu leur alchimiste faire un truc qu'ils appellent Extinguis. Ça étouffe les flammes. Je voulais essayer, mais. Ça vaut le coup d'essayer. Très bien. Il suffit de viser le feu. Ouais, tiens. Surtout pour eux. Hop. Et on rallume. Tous les livres vont brûler. Ce n'est pas ta faute. On attend. Oui. On doit sortir d'ici. On dirait quelqu'un, non? Est-ce que je peux l'envoyer, le tuer? Bon, c'était rien. Je vais tenter. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, le fail! Ah, je suis allé trop vite, j'ai voulu aller un peu vite pour ce garde. Ah mais attendez. Voilà. On va droit vers l'incendie. C'est le seul chemin. Merde. Hey, tu crames. Tu crames. Putain. Non. 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 Ça va? Il y a encore du monde dedans. Ouais, j'ai cru que j'y passais. C'est l'enfer là-dedans. J'ai entendu un truc. Je reviens. Ne laisse pas surprendre. On doit vraiment entrer là-dedans. Ouais, si tu veux respirer, c'est maintenant. Ah, ça chauffe déjà. Quel enfer! Rien par ici. C'est bien ce que je pensais. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Suis-moi. Et fais gaffe à ton livre. Ils sont là. T'occupe pas d'eux. Merde. Désolé, j'étais très discret, mais je suis très. Je trouve vraiment ce passage sympa. Et je suis. Ah non. Dérouillé. Ça brûle derrière. T'approches pas. Qu'est-ce que tu fais? L'ouvre. Rodrigue. Est-ce que ça va? Cours. On est presque. Oh la vache. Bah oui, pas trop de choix.
Ouah, c'est de plus en plus tendu quand même pour passer, je trouve. En plus, suivant le personnage, c'est vraiment une mécanique différente à chaque fois, comment on peut l'utiliser. Et en fait, j'ai trop envie de me précipiter pour pas vous faire un épisode trop long aussi, c'est ça mon problème. Fin du chapitre. Ouais, oh, il était vraiment sympa ce chapitre, ah, je suis content. Ah, je trouve ce jeu vraiment magnifique. Chapitre 11. Envie, putain, on est déjà presque à la fin du jeu, quoi. Chapitre 11, il y a la 16. Ça avance trop vite. Oh, oh, je suis déçu. C'est-à-dire qu'on est déjà à l'épisode... Ce sera l'épisode 10 la prochaine fois. Eh oui. Oui, on a gagné un épisode. Puisque il y en a deux en un. Puisqu'il y a l'épisode chez nous qui était très 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 court, que j'ai pas osé vous faire une vidéo de moins de 10 minutes, quoi. Hugo ! Lucas ! Attrape ! Je te préviens, ils sont un peu le brûlé. Et plus ça va, plus on a de monde avec nous. C'est cool. Roderick, mais chut. Le Sanguinis Itinera. Ça raconte quoi ce livre ? Et moche ! Pardon. C'est l'histoire d'un petit garçon qui va très vite guérir. Je suis mort de faim. Quelqu'un d'autre ? Moi ! Alors à table. On l'a bien mérité. Ouais ! C'est clair. Toi aussi, j'arrive. Ouais, lui il va arrêter de plonger dans son livre là. C'était ça le truc. Un livre protégé par d'autres livres. Parce qu'en fait il était enfermé à la cave. Je viens de percuter. 3 semaines plus tard. Dis donc. 1348. Eh oui. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Non, non, non. C'est pas vrai, c'est pas du boulot ça. Ouais, je suis d'accord avec toi, Roderick. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. C'est rien. Dis, cette porte, vous l'avez déjà ouverte ? Elle est coincée. C'est le seul endroit du château où on n'est pas encore allé. Tu veux pas voir ce qu'il y a derrière ? Eh ben, si. Hugo dort alors. Voilà, après, on verra demain, le prochain épisode, je sais plus. Bref, on va se laisser là-dessus, voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, que vous appréciez cette série sur The Plague Tale Innocence. Moi, j'adore, franchement, c'est de mieux en mieux ce jeu. C'est vraiment agréable, si vous avez l'occasion de le faire, franchement, faites-le, sachant qu'il y a le Requiem qui va bientôt sortir. N'hésitez pas à le faire, donc franchement, je vous le conseille fortement, ce jeu, il est vraiment magnifique. Bref, on va se laisser là-dessus. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous demande à minima, s'il vous plaît, de mettre un j'aime et de mettre un petit commentaire pour l'algorithme YouTube. C'est vraiment très important, je vous en supplie. Si vous appréciez mon contenu de manière générale, si ça fait plusieurs vidéos que vous regardez, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Et si vraiment, 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 vous voulez que je sois encore plus connu, vous partagez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ou ailleurs si vous le voulez, il n'y a aucun problème. Je vous en serai énormément reconnaissant. Donc je vous laisse, petite info rapide, depuis quelques temps, oui, j'ai modifié, je sais pas si vous avez vu, j'ai modifié l'outro, j'ai fait plus courte, voilà, il y a juste le dernier écran qui apparaît seulement pendant 20 secondes, c'est la durée de l'écran de fin YouTube, voilà, je me suis dit que ça servait à rien d'avoir une outro trop longue, donc je l'ai raccourci, je sais pas si vous avez fait attention, j'ai pas pensé à vous en parler avant, et aussi parce que je recorde bien en avance mes vidéos et que j'ai décidé de faire un changement comme ça du jour au lendemain. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, je vous aime, je vous adore. Portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.